Hello? Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Hi Marcel, how are you? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Can you hear me? I think I can hear you very, very well. I can see a Great. Jump in a call with international gurus. Amazing. That's the background of the program. So we're using it for all the calls with all the gurus. Sounds good. Yourself. Sounds good. Thank you very much. I'm really humbled that you're calling me a guru. I mean, we're really excited. I mean, even the audience excited. We're having today actually around 40 wannabe accelerator, launching accelerators, incubators, and managers of such structures too joining us in few. We're not yet live. We're going to do the debrief with you and Jean-Louis. I guess he's joining in few, right? Yes. He's amazing. Amazing. Great. Absolutely incredible. I love the way you say amazing. Amazing. Awesome. Well, it's amazing. We're excited. What do you want me to say? I agree. I have nothing to say. This is amazing. Just, and thank you. Thank you for giving us the opportunity as well. Me and my 100% with my colleague, Jean-Louis. Awesome. All right. So I'll be coordinating in the meantime to the live with my colleague. Sounds good? Good. I'll let you get on with it, and I'll shut up for a second, and I'll let the others come in. Amazing. All right. Oh, yes. Actually, Marcel, I wanted to also inform you that our audience is watching us in a platform called eBay. So they're not going to be joining Zoom, but Zoom is forecasted on that platform on real time. You got the point? Okay. A question for you. And sure. Jean-Louis just asked me earlier on. Mm-hmm. English, French, French, English, exclusively. Oui, en fait, ce serait top si on fait ça français, comme vous voulez. Mais non, clairement, non. L'audience en Tunisie, elle est plus... En français. Oui, l'audience en Tunisie, elle est plus confortable avec le français, clairement. Superbe, génial. Même si le contenu de quelques slides, ils sont en anglais, il n'y a pas de souci. Aucun souci, même si vous vous sentez plus confortable à switcher en anglais pour certains slides, vraiment, feel free. Nickel. On a informé l'audience que toutes nos sessions sont ou bien en français ou bien en anglais, donc ils sont aware of that. Thank you very much. Thank you. How would you know how many people are coming in? Actually, I'm accessing that on the admin part of the platform. Yes. Right now, so we're having 40 people in already. Oh, are they already there? Okay, sounds good. Yes, they don't see us yet because they know that we go live exactly at two. At noon, exactly. Okay. I'll go and mute for
Hi, Jean-Louis. I see you're here. Yes. Hi. How are you? How are you doing? Good to see you. Great. Good to see you. Great background. Yeah, well, this is where I'm living, in Sofia Antipolis. Oh, wow. Close to Nice. I really like it. So I was saying to Marcel before you join us that so we're having around 40 people now waiting for us to go live. So they're not going to be joining on Zoom, but they have their own platform, eBay platform, where they access the presentation live. On peut faire ça en français vu que la Tunisie, les Tunisiens, ils sont plus à l'aise en français. Mais moi, je sais pas pourquoi, automatiquement, je fais des mains en anglais. Je pense que my reset needs to be updated. Oui, on peut parler français, mais moi aussi, c'est de ma faute. Quand je t'ai réécrit un email, je ne sais pas pourquoi je le fais en anglais. Non, mais on est d'accord qu'on fait la session en français. On a revu ça avec Marcel, pas de souci. Oui. Super. Donc, on a ma collègue qui, dans une minute, elle va nous rendre live sur la plateforme. Salut Marcel. All right. So, we're going live. Pour le partage de la présentation, est-ce que je le fais via Zoom? Yes, you can do it via Zoom. So we're going live right now. 3, 2, 1. Hello, everybody. We're super excited to have you again, as usual, joining us in our program, Ins and Outs of Ecosystem Building. So I see that we have people that didn't join us before. So I want to take just a few seconds to remind you guys what we're doing in this program and what's the purpose behind it. So this program is actually a fruit of a collaboration between Smart Capital, and I'm myself part of Smart Capital, and Projet Innovie European Union for Innovation. So together we were thinking of what would be the great way to actually, you know, expose our ecosystem in Tunisia more on an international level. And after, deep reflection, we were like, what about creating those calls, jumping on a call with a guru to exchange information, to have, you know, other perspectives and take it from there. So this is why we are, today, one more time, having two amazing people joining us to share their experience and to exchange with you guys about, again, how we make our ecosystem more vibrating, how to learn from each other and how to grow a healthy way and efficient way. So today we're gonna go, so as you can see, our program is designed in a way that we're digging deeper more and more each time on, you know, mastering the skills needed to be a successful growing accelerator or incubator in our startup ecosystem in Tunisia. So today we will be digging deeper into the mind gap when it comes to the role of a support organization. So, and for that, we are super glad to have Jean-Louis Brelet and Marcel Dridge with us to cover this theme. They have amazing backgrounds and I will give them the time, of course, to introduce themselves. And please, guys, share with us everything you do or you did beyond the startup world, because I think it's very interesting to understand the background of your own journey. And then we will be super, super glad to have you like doing your presentation. So again, guys, as we used to do that, we are in an interactive mode. So feel free to send all your comments, your questions on the chat. I know that people already share their questions, but if, you know, in the moment you have a new question, feel free to ask it. Myself, I'll be helping you, you know, resuming all the questions to avoid the duplication. And I will be asking those questions to our speakers at the end of their presentation. So feel free, guys, to reach out. Marcel and Jean-Louis, how are you doing? And welcome. Jean-Louis, la parole est à toi. La parole, oui. Alors, juste good morning, bonjour. Bonjour à tous qui nous entendent en ligne. On va faire une petite intro. Juste pour être bien sûr, on peut le faire en anglais, en français. Tu nous avais demandé de le faire en français, donc on fait la présentation en français. Nous sommes d'accord? Super.
Et voilà, donc j'ai juste besoin que tu m'autorises le partage d'écran. Et je vais mettre... je le fais tout de suite pour toi, voilà. Et pour Jean-François, les deux, pour Jean-François et pour enfin pour moi, pour Jean-Louis, et oui. Et pour Marcel. D'accord. C'est... Non, c'est lui le chef. C'est lui le chef. C'est lui. Non, Alors Jean-Louis, the floor is yours. OK. Merci. Donc, bienvenue à nouveau à tout le monde. Donc, on est là avec Marcel, vous allez le voir, pour partager notre expérience. Donc, ce que l'on va faire, juste le temps, voilà, d'avoir un slide. Je vais me permettre de commencer juste en 2 minutes pour me présenter. Bien sûr, Marcel le fera juste après. Et je vous montrerai quel est l'agenda que l'on a vraiment découpé en 3 parties. Une partie que Marcel va couvrir, une autre que je vais couvrir en 2 fois 30 minutes. Et on souhaite vraiment avoir un maximum d'interaction avec vous pour les dernières 30 minutes. Donc, très rapidement, mon background que vous pouvez voir là, dans les grandes lignes, hein, je suis investisseur privé, donc Business Angels. J'ai été entrepreneur, je le suis toujours, je lance toujours des nouveaux startups et j'enseigne dans plusieurs business schools. Donc, en quelques mots, là où j'en suis venu à l'investissement, c'est quand je travaillais pour une société américaine de la Silicon Valley en microélectronique, en intelligence artificielle aujourd'hui, mais sur l'aspect hardware, où j'ai commencé à manager le fonds qui était un fonds professionnel d'investissement stratégique avant que je décide de faire ça il y a une quinzaine d'années pour moi-même. Donc aujourd'hui, je me consacre à plein temps aux startups dans lesquelles j'ai investi, à de l'accompagnement et à de la formation. Et donc, mes points d'expertise principaux, j'enseigne l'entrepreneuriat dans des grandes business schools en France surtout. C'est la finance, mais la finance qui est dédiée pour l'investissement, pour les startups ou pour les accélérateurs et les business angels. Et enfin, tout ce qui est stratégie d'innovation, qui est même le cœur d'une société que j'ai créée il y a maintenant 7 ans. Juste pour vous donner 2 points. Pourquoi on souhaite partager avec vous? Vous avez un premier chiffre ici qui vient d'une étude, Harvard Business School. 75% en général des startups ne vont pas rembourser leurs actionnaires. Et donc, quand on est un accélérateur, on va chercher à comprendre pourquoi. Donc, je ne réponds pas à cette première question, c'est le but de notre présentation. Un deuxième chiffre qui nous paraît très important, peut-être encore plus important que le premier, la moitié, 50% des startups ne survivent pas après 5 ans. Donc, tout le cœur de ce que l'on a développé avec Marcel, c'est de savoir répondre positivement à ces 2 questions-là en regardant 5 principaux points qu'on va adresser pendant cette présentation. Donc, chacun de nous, Marcel ou moi-même, Jean-Louis, on va adresser, est-ce qu'il y a première raison? Market needs, un marché. Deuxième raison, le cash. Est-ce qu'il y a suffisamment d'investissement, de cash flow dans la société? Troisième raison, est-ce que l'équipe est la bonne? Quatrième raison, est-ce qu'il y a un risque de compétition? Comment se positionner clairement sur le marché avec son innovation? Et enfin, le business model, le pricing. Comme vous pouvez le voir, le petit encadré en bas qui résume bien ce que dit Peter Drucker, hein. Le but d'un business, c'est de créer un client. On va revenir là-dessus en reparlant de marché et de bien d'autres choses. Donc, je fais très court. Deux grandes parties, puis le Q&A. Donc, je vais laisser mon ami et associé Marcel présenter les 3 premiers points. Il va nous faire une introduction, parler du Go Market Plan. Est-ce que vous connaissez votre marché? Est-ce que vous avez le bon modèle? Donc, vraiment savoir vendre. Puis moi, je vais venir sur des parties qui sont essentielles. Est-ce que l'équipe est la bonne? Est-ce qu'ils sont en position d'aller lever des fonds et de financer leur projet? Et enfin, je vais vous donner, mais sous forme de teaser, parce qu'on n'aura pas le temps, les 10 questions que j'utilise depuis 10 ans systématiquement dès que je rencontre une startup et que je répète tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour voir leur progression. Voilà. Marcel, je te laisse la parole et je continue de te passer les slides. Thank you, Jean-Louis.
Le micro, Marcel, ton micro. Marcel, on n'a pas ton micro. Bien sûr, je parle à moi-même hein, avec le mute. Donc, je disais merci Jean-Louis, merci Soumeya et bonjour à l'audience. Good morning to everyone and assalamu alaikum. Je m'appelle Marcel Dridge. Je suis actuellement board member de IBAN, qui est la formation, l'association des 4400 plus business angels européens et super angels à travers l'Europe. Notre association est basée à Bruxelles. Ils font beaucoup de lobbying avec la Commission européenne. Et je suis, comme moi et Jean-Louis, des anciens présidents de Sophia Business Angel. Donc Jean-Louis était président avant moi et moi je suis resté après lui deux fois deux termes. On est très, très content de vous adresser. Mon background est très simple à comprendre. Je suis vraiment le geek, l'ingénieur qui a été formé à la Polytechnique de Portsmouth en Angleterre. J'ai commencé mes premières armes chez IBM. Et par accident, je suis tombé sur le sales et business development. Et c'est ça qui m'a passionné pendant 30 années de ma carrière. Et j'ai beaucoup aidé, surtout exclusivement, des sociétés américaines, côte ouest, Silicon Valley, qui venaient nous titiller sur un peu sur le marché européen. Et pour les Américains, EMEA, Europe, Middle East and Africa, les Américains toujours disent aujourd'hui, we're going to Europe. Mais il fallait comprendre que l'Europe est assez diverse, de l'Europe du Nord jusqu'à l'Europe du Sud, en passant par l'Europe centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique. Je suis aussi intéressé par la partie investissement comme mon ami Jean-Louis. Donc, à travers toute une carrière de startups qui ont été ou rachetées ou on a fait un IPO sur le Nasdaq, la dernière, en 2005, Airspace a été rachetée par Cisco. Et que ce soit l'entrepreneur à l'extérieur ou que ce soit l'intrapreneur, donc j'ai fait de l'entrepreneuriat chez Cisco. Je les ai aidés beaucoup avec l'équipe M&A pour comprendre le comment, le pourquoi d'une startup et comment on peut éventuellement la valoriser et être vendu à Cisco. Cisco a acheté 230 sociétés en 25 ans, juste pour vous donner une idée, et c'est devenu un peu la référence sur un successful M&A. Mes startups d'investissement, je suis à peu près une vingtaine aujourd'hui, mais la plupart, ils sont là. Soumeya aura, je crois que c'est Jean-Louis qui m'a envoyé la présentation. Vous aurez la copie de toute la présentation, donc vous aurez l'occasion de voir où on investit. Et c'est un peu divers, c'est un cybersécurité, business intelligence algorithm, du AI, et puis récemment, du AI appliqué au HR. Amper est basé à Sophia Antipolis, par exemple. Next. Aujourd'hui, au fait, moi et Jean-Louis, et on a une autre co-amie qui s'appelle Nathalie Dumas, on donne un workshop de 3 jours intense à tous les incubateurs accélérateurs. Le dernier où on a fait beaucoup de investment readiness, parce que vous, en tant que SSO, vous avez tout un pipeline de startups tunisiennes, et je dirais plus tard demain, peut-être pourquoi pas maghrébines, l'Algérie, le Maroc. Donc, votre travail, c'est carrément trouver un peu les perles rares et les mettre sur un workshop de la formation intense. Et à un moment, vous allez carrément devoir nous inviter, comme Carthage Business Angel, par exemple, qui est à Tunis avec qui on travaille, ou Med Angels, qui est l'association des Business Angels sur les 23 pays de la Méditerranée. Et pourquoi pas Sophia Business Angel, on est basé à Nice pour faire du cross-border. Cette slide démontre tout simplement là où vous êtes, je pense, c'est tout ce qui est la première partie, early stage. Et c'est là vraiment que nous, en tant que Business Angel, jusqu'à scale-up, c'est là où vraiment on intervient en collaboration avec les incubateurs et les accélérateurs. Next. On a toujours demandé typiquement, qu'est-ce qu'un business angel recherche avant qu'il investisse? On a bien sûr un agenda de ROI, c'est tout à fait normal, mais il y a des choses très, très, très importantes, surtout au-delà de la valeur que la boîte a créée pour sa propre équipe et pour sa propre journey le long de leur parcours. Il y a aussi des choses que nous, on regarde de très près et je vous donne quelques exemples ici. Je pose la question toujours à l'entrepreneur, est-ce qu'il a eu la chance de casser sa tirelire pour mettre son propre argent ou demander à ses parents ou à ses amis pour mettre un peu d'argent.
La partie marché, elle est très, très importante. On aura l'occasion de parler plus tard. De l'IP, je pense qu'en Tunisie et en Algérie et au Maroc, il y a un truc extraordinaire qui arrive là-bas. On a vraiment, vraiment, vraiment des ingénieurs de haute volée et la partie IP, elle est très importante à monétiser au-delà du produit lui-même. Chez SBA, en général, on est plutôt dans la robotique, sustainable energy, l'espace, la science, medtech, et en général, on ne cherche pas des projets de recherche, quoique un incubateur ou un accélérateur comme en Tunisie travaille beaucoup avec des universités qui font de la recherche. Et à un moment, ils les aident à arriver jusqu'à la start-up. Et le dernier pour nous est très, très important, c'est la génération de revenus, le business, hein, comment vous monétisez votre idée, faire du scale-up et peut-être chercher une exit, que ce soit sur le second marché, lever des fonds ou peut-être être acquis par un grand groupe. Next slide, my friend. À la fin de la journée, lorsqu'on rencontre un entrepreneur, que ce soit moi ou Jean-Louis ou n'importe quel business angel qui se respecte, at the end of the day, c'est vraiment créer, parce qu'après tout, c'est l'humain qui est en jeu, c'est vraiment de créer beaucoup d'honnêteté, honnêteté intellectuelle, avoir une ouverture sur la partie opérationnelle, la partie financière, la partie HR. Et moi, j'ai toujours dit à n'importe quel entrepreneur, s'il te plaît, n'essaie pas de faire des high expectations en sachant que tu vas délivrer en dessous de l'expectation. Moi, je suis quelqu'un vraiment, en tant qu'investisseur, j'ai toujours poussé l'entrepreneur à faire du low expectation et surprendre tout le monde, faire une delivery higher. Pourquoi? Parce qu'on devient beaucoup plus crédible dans l'exécution du business plan. Une chose aussi qui est très typique de la région MENA, que ce soit en Tunisie, j'ai eu la chance de travailler avec Noman Ferry, avec mon ami Hicham, avec Wefa, avec Sofiane Amar, et j'ai constaté qu'en Tunisie, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Beaucoup de talent et un potentiel énorme d'avoir la grande pépite, un unicorne, peut-être plusieurs. Mais la chose qui est très commun en Afrique en général, c'est surtout, surtout le côté big picture. On a tendance à être un tout petit peu shy. J'ai un marché, c'est la Tunisie. Demain, je partirai au Maghreb, Nord-Africa, et peut-être je partirai en Afrique. Donc, moi, j'ai toujours encouragé cet écosystème to think big. Pourquoi pas avec le SaaS aujourd'hui, avec Internet, avec toute la possibilité qu'on a sur le web, pourquoi pas ne pas conquérir le monde? Voilà un peu le message que j'essaye de livrer aux organisations d'incubateurs, accélérateurs, vraiment d'accompagner l'entrepreneur et de dire « think big, day one ». Next slide, my friend. Autre chose aussi, j'ai toujours dit à l'entrepreneur, lorsqu'on vient dans des incubateurs, des accélérateurs, moi et Jean-Louis, on fait beaucoup de mentorat, on fait beaucoup de coaching, que ce soit en remote à des sessions dans la semaine ou des fois Covid oblige, avant le Covid et peut-être bientôt après qu'on a une vaccination et que le monde devient normal. Vraiment, vraiment, j'encourage l'entrepreneur de ne pas avoir ce côté un business angel, il y a de l'argent et on a tendance un tout petit peu à l'intimider. Moi, j'ai toujours dit, il faut absolument que l'entrepreneur comprenne et demande au business angel, what's in it for me? Qu'est-ce que vous allez faire pour moi? Et j'ai mis quelques bullets ici pour essayer de comprendre, est-ce que par hasard, au-delà de l'argent, on appelle ça du smart money, au-delà de l'argent, est-ce que son réseau est immense? Réseau, ça veut dire quoi? Ouvrir des clientèles, un client, un banque, une télécom, on s'en fout quel est le type de client, mais vraiment le business angel, on appelle ça smart money. C'est pour cela que les business angels qui se respectent, c'est au-delà de l'argent. Donc, il faut absolument que vous compreniez qu'un entrepreneur est obligé de comprendre c'est quoi un business angel et pourquoi il est en train d'investir dans sa boîte. Next. Chez SBA, ça fait 15 ans qu'on existe. On est basé à Sofia Antipolis. Ça a été créé par le sénateur Pierre Lafitte. C'est un peu ce qu'on appelle le Science Park de Nice, qui est un peu le début du commencement vers les Alpes. Et c'est là où IBM, dans les années 70-80, a décidé, en dehors des États-Unis, d'avoir le plus grand centre de recherche et développement à l'échelle mondiale. Texas Instruments, Digital, DEC, Compaq,
J'étais chez Cisco, on a aussi un petit lab là-bas. Et tout d'un coup, tu as toutes les universités, que ce soit Orange Lab, que ce soit Amadeus aujourd'hui, au niveau Travel Tech. Il y a tout un écosystème qui s'est créé là-bas. Et qu'est-ce qu'on a appris? Et c'est ça le message que je dois absolument partager avec vous en tant que SSO. On a développé pendant 15 ans ce qu'on appelle le SBI Seven Pillars et qu'on peut partager avec vous avec un peu plus de détails au moment où on pourra peut-être être aligné et travailler avec vous en one-to-one. C'est quoi la Blue Ocean Strategy? Ça, c'est mon ami Jean-Louis qui donne à l'EDEC et à la Schema. C'est par rapport au product marketing, product development, le positioning du marché. C'est très, très important comme angle à avoir dans votre programme. Moi, personnellement, avec Nathalie, je viens de l'acquisition de Airspace par Cisco et je suis resté 8 ans avec eux. Et on a développé ce qu'on appelle une framework qui s'appelle la VSEM, Vision, Strategy, Execution and Metrics. J'ai une petite slide là-dessus très vite, vous comprenez exactement pourquoi dans votre programme, vos startups doivent comprendre un peu pourquoi cette framework est très importante. La Go-to-Market Strategy, je parlerai un tout petit peu là-dessus. L'équipe, le Total Addressable Market, la Competitive Landscape et surtout, surtout, un truc qui nous a toujours fait marrer, moi et Jean-Louis, c'est l'articulation. Qu'est-ce qu'on demande à un business angel? C'est-à-dire, ils sont chez vous, ils ont passé 4-5 semaines, vous avez fait un super programme et grâce à vous, vous les avez mis devant un panel de business angels et d'investisseurs et là, ils bug. Qu'est-ce qu'on voit comme bug? On voit le mec, il demande, j'ai besoin de 150 kilos dans les 6 prochains mois et il oublie de dire, au fait, j'ai besoin de quelqu'un qui connaît le compte AXA ou le compte Cisco parce que j'aimerais bien que vous m'ouvrez la porte. Donc, le ask, il est au-delà de l'argent. Il oublie aussi, pour 150K, quel est le pourcentage qui ouvre au business angel? Est-ce que c'est 10% de la boîte qu'il est en train de mettre à la table? Donc, cette notion d'articulation de ask, à nos yeux, c'est vraiment un travail de fond et je vous encourage à vraiment mettre ça dans votre programme aussi. Next, my friend. Next slide. Donc, le VSEM, c'est Nathalie Dumas, Soumya, je l'ai présenté. C'est elle qui vraiment fait un half a day workshop là-dessus. Et en général, qu'est-ce qu'on dit à l'entrepreneur? L'entrepreneur, lorsqu'il se réveille le premier jour et qu'il a l'idée, etc., et qu'il va se lancer, la vision générale, même les grosses boîtes qui ont été une start-up, qui sont devenues des grands groupes, la vision générale, c'est très, très rarement où ça change. C'est vraiment le cœur de l'ADN de l'entreprise. La stratégie, parce qu'on s'est trompé de go-to-market strategy, parce qu'on s'est gouré, est-ce que c'est de la vente de distribution, est-ce que c'est des B2B, B2B2C, on peut se tromper, on peut faire un pivot. Mais la stratégie, elle change constamment. Et puis, l'exécution, que ce soit l'équipe de marketing ou l'équipe commerciale ou les ingénieurs, ça serait dommage qu'il n'y ait pas de l'exécution. Et les metrics, c'est de mettre des KPI et de dire dans les 90 jours, que chacun doit absolument exécuter ce que la société a décidé. Next slide. Alors moi, mon expertise, au-delà de la finance que mon cher ami Jean-Louis est assez expert là-dessus et la partie Open Innovation, j'ai fait mon métier pendant 30 ans. Et aujourd'hui, dans la partie mentorat, que ce soit des sociétés cybersécurité qui sont basées dans un accélérateur qui est basé à Cork en Irlande, où je suis consultant là-bas, que ce soit le Wellbeing and E-Health Incubateur en Finlande, dans une ville qui s'appelle Ivascula, ou que ce soit à The Camp, là où je suis à Aix-en-Provence, c'est vraiment mon expertise et c'est là où je donne beaucoup de business value proposition aux entrepreneurs et je les coach et je les mentor là-dessus. Les 4 points essentiels dans votre workshop lorsque vous commencez à faire votre programme dans votre accélérateur ou incubateur, vraiment, il faut absolument que l'entrepreneur, il a l'idée, il a le prototype, il a l'équipe, il a tout ce qu'il faut. Mais à un moment, c'est très marrant, jusqu'à aujourd'hui, à l'échelle mondiale, lorsqu'on rencontre une startup, des fois, ils ont du mal à répondre à ce genre de questions. Qu'est-ce que vous vendez?
Des fois, ils vous parlent, est-ce que c'est du hardware, est-ce que c'est du software, est-ce que c'est des services. C'est incroyable. Donc, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de vendre. Autre chose aussi où je trouve pas mal de jobs à faire et de travail de fond à faire, vous allez vendre à qui ? Ça paraît tout à fait une question toute simple. Et là, je vous donne des exemples. Est-ce que c'est des grands groupes ? Est-ce que c'est vraiment le end-user, hein, c'est la partie B2C ? Est-ce que c'est de l'OEM ? Beaucoup de startups tunisiennes, par exemple, j'ai rencontré 2 ou 3, et ils n'ont même pas eu la notion du white labeling, c'est-à-dire qu'ils ont une technologie extraordinaire entre les mains, mais ils s'obsèdent à l'idée d'aller faire une usine, de produire et après vendre. Alors que je leur dis, peut-être qu'il faut faire une licence, un genre de pay as you grow model, avec un white labeling, on appelle ça la marque blanche, avec des grands groupes qui n'ont pas ce genre de technologie. Donc, le « who are you selling to », c'est vraiment, vraiment un travail de fond à faire. Et puis après, le côté « no-brainer », comment vous allez accéder au marché ? Est-ce que vous êtes un modèle SaaS et de chez vous en Tunisie, vous allez attaquer le marché mondial et il n'y a pas de souci avec ça ? Mais si c'est une combinaison de hardware et de logiciel, peut-être que vous avez besoin de partenaires. Et les partenaires que vous avez besoin à Dubaï ne sont pas les mêmes en Finlande ou au Danemark ou en Allemagne ou en France pour l'Europe du Sud. Donc, c'est très important aussi de comprendre qui sont les partenaires où vous allez attaquer le marché. Et puis, il y a une démarche dans le sales en général, la partie go-to-market, mais comment vous allez carrément mettre en avant votre technologie à part le web en général où on explique « what do we do », etc. Mais il y a autre chose. Le social network aujourd'hui, ils sont devenus absolument au niveau digital marketing, digital hacking, ils sont devenus vraiment une source de business development et extraordinaire, extraordinaire. Les salons, aujourd'hui, comme vous le savez, Covid oblige, on a beaucoup, beaucoup de salons en ligne aujourd'hui et il y a des salons qui sont assez pertinents. Je devais être au JITEX à Dubaï. Je crois que c'est le premier salon pendant 2020 qui a été ouvert en présentiel. Et là, c'est vraiment une occasion extraordinaire parce que les Dubaïotes, ils ont compris que ils ont fait tout fait pour le Covid, mais moi, à titre personnel, je ne me suis pas pris la tête de ne pas partir là-bas parce qu'au niveau Covid, il faut faire très attention. Next. Je vais vous donner un exemple à titre personnel et ça peut être appliqué à n'importe quel exemple. Là, vraiment, je vous parle le côté agnostique. Hardware, software, et cette société, c'est une société américaine avec qui j'ai consulté pendant 6 mois. Et c'était juste pour vous mettre un peu en bouche, un entrepreneur qui a une équipe commerciale et lui dit, maintenant, ça y est, t'as tout. T'as la price list, t'as les produits, t'as tout ce qu'il faut, démerde-toi, va vendre. Donc, en fait, c'est exactement ce que la société m'a demandé pendant 6 mois. Et tout seul pour le marché EMEA. Ils sont basés à Cupertino. Next slide. Je vous donnerai un exemple. Quelle est la méthodologie que vraiment chaque entrepreneur doit mettre en tête ? Ça vous paraît évident ce que j'écris, mais c'est les bonnes questions. Est-ce que mon produit, il est carrément targeté à l'entreprise ? Mais dans l'entreprise, est-ce que c'est une banque ou est-ce que c'est une compagnie d'assurance ? Dans les banques, est-ce que c'est une petite, moyenne de taille banque ou est-ce que c'est une grosse banque ? Donc, tout ça au niveau dicing and cutting, au niveau vertical, c'est très, très important lorsqu'on est en train de faire une stratégie commerciale et de go-to-market strategy. Next slide. Donc, moi, voilà ce que j'ai fait pour cette société. Un truc intéressant que vous pouvez demander et challenger un entrepreneur par rapport au commercial ou l'équipe commerciale qu'il a, il croit en général que c'est le directeur général qui va être l'acheteur. Eh bien, détrompez-vous, même aujourd'hui, même à l'ère digitale, même si on vend en mode SaaS, eh bien, comme par hasard, dans n'importe quel groupe, si je demande à Somaya chez Smart Capital comment ils sont organisés, eh bien, elle va me poser la question qu'il y a un grand patron, qu'il y a une équipe et chacun a sa responsabilité. Eh bien, si une équipe commerciale ne comprend pas qui est typiquement le suspect client à l'intérieur de la société, il n'a rien compris comment vendre dans une boîte. Prochaine slide.
ignorer la technologie ici. Hein. C'était juste pour vous comprendre. Ça y est, vous avez un client. Vous savez que c'est le directeur de l'informatique ou peut-être le CTO de la boîte qui est le client qui va valider votre société. À un moment, posez-vous la question et être à l'écoute du client. Quels sont les challenges? Il se peut que cette société-là a déjà un concurrent à l'intérieur de la société. Il faut absolument vous prendre un tout petit peu le challenge de dire c'est quoi le challenge de cette boîte par rapport au contexte de ma solution. Et là, je vous donne des exemples. Comment à gauche est le challenge technique et comment à droite, moi, par rapport à ma technologie, de ce que je représentais ici chez Anuta Network, quelle était ma réponse au client pour que je sois aligné avec la demande du client. Next slide. J'ai 6 minutes. Next slide. La partie structure, c'est de comprendre avec la même solution. Je suis horrifié par rapport de voir beaucoup d'entrepreneurs avec la même solution dans une grosse boîte, dans un grand groupe. Eh bien, il y a plusieurs clients. Dans un grand groupe, il y a des silos. Il y a beaucoup de gens qui vont se focaliser sur le HR et ils s'arrêtent là. Et ils n'ont pas compris qu'ils sont rentrés dans un grand groupe et ils vont être autosatisfaits d'avoir fait 200 000 euros de chiffre d'affaires et il met le nom AXA. Ouais, bingo. AXA peut vous acheter entre 150 millions et 200 millions de dollars de tout produit. Pourquoi pas ne pas faire le campus, le branch, le data center, le core, etc., etc. Donc, il faut aussi comprendre qu'à l'intérieur de la boîte, il y a plusieurs clients qui sont accessibles une fois que vous êtes à l'intérieur. Next slide. Next slide. J'aurai l'occasion de... De toute façon, Soumya va envoyer la... Next slide. Même au niveau partenariat. Je suis en EMEA. Je vous ai dit Europe, Middle East, Africa. Je suis désolé. Toute la partie UK, Benelux, Northern Europe, Scandinavie, par défaut, ça a été toujours mon territoire de prédilection parce que jusqu'à présent, quelle que soit la technologie, je vous ai dit, c'est vraiment technologie agnostique. Et ben, c'est la seule région qui est le early adopter. Donc, si vous voulez faire un court-circuit sur le sales cycle, s'il vous plaît, ouvrez un bureau. Que ce soit à Londres, que ce soit à Bruxelles ou à Amsterdam ou que ce soit en Scandinavie, c'est vraiment la partie nord de l'Europe. Après, je commence par l'Allemagne, les pays de langage allemand, Suisse et l'Autriche et l'Europe centrale. Et je laisse en dernier, en général, la France et l'Europe du Sud pour une seule raison, c'est les seuls territoires aujourd'hui qui vous font une longue sales cycle, quelle que soit la technologie, mais ils sont très loyaux. Ils sont très loyaux. Ils restent avec vous des années et des années. Alors que l'Europe du Nord en général, c'est jamais un concurrent qui se rappelle très vite. Ils sont capables de changer très vite. Donc voilà, il faut vraiment comprendre. Et ici, ce que j'ai mis qui est le partenaire parce que j'ai voulu vendre indirectement, parce que je n'ai pas la capacité de supporter ma technologie qui est assez pointue au niveau télécom. Et c'est pour cela que j'ai mis toute la partie théâtre. C'est quoi le segment? Je suis où avec la vente? Ça, c'est très important lorsque l'entrepreneur fait un QBR, Quality Business Review, avec les business angels, avec ses investisseurs et avec son équipe à l'intérieur. Et puis, au niveau agreement time, c'est quoi? Est-ce que c'est un contrat de distribution? Est-ce que c'est exclusif? La plupart des entrepreneurs, des fois, on les balade dans une salade bien comme il faut en disant « Je suis UAE, je suis basé à Dubaï ». Donnez-moi le marché exclusif pour le Moyen-Orient. Wrong decision. Il faut absolument comprendre que l'exclusivité, ça se mérite. Next. Ah oui, reste là, reste là. Tous les entrepreneurs qui ont un produit entre les mains, que ce soit hardware, software, la combinaison des deux, je les challenge qu'ils ont une opportunité de faire du chiffre d'affaires à plusieurs niveaux. On peut faire du consulting, on demande quelque chose à payer, on peut demander vendre une licence corp, une licence d'un département, a pay as you grow. On peut aussi faire de la system integration, la partie SI, ou on peut même vendre le même produit en tant que managed service.
surtout pour les télécoms. Next. Next. Alors celle-là, je challenge tous les SSO à la bien regarder parce qu'au fait, tous les entrepreneurs viennent avec une super slide et ils disent « My total addressable market, c'est 17 billion. » Ouais! La source, elle est où? Comment tu as fait? Donc ça, il faut absolument que vous travaillez là-dessus. Pour moi, ça, c'est une journée de travail ou peut-être plus qu'une journée. C'est très, très important de comprendre c'est quoi le top-down. Et même dans le top-down, j'aimerais bien voir au bottom du slide, une petite astérix, c'est quoi la source? Beaucoup d'entrepreneurs oublient même la source d'où ils ont ramené le chiffre d'affaires. Et puis faire beaucoup, beaucoup de travail avant que vous fassiez la slide que mon total market, il est de 17 milliards et moi, j'attaque les 10% de ce marché. Ça ne marche pas comme ça. Il faut absolument faire beaucoup de travail là-dessus. Next slide. Competitive landscape. J'adore cette slide. J'adore cette slide. Vous comprenez le côté slide que vous avez vu ou en grid, hein, avec des carreaux, ou apparemment en XY, et vous dites que je suis à droite par rapport à la concurrence. Non, non, avant que tu dises ça, il faut absolument regarder dans le détail qu'est-ce que j'attends de voir au niveau competitive landscape. J'entends de temps en temps, je n'ai pas de concurrence. J'aimerais bien le croire, mais je dis peut-être que la personne n'a pas fait de homework. Mais en même temps, c'est de comprendre c'est quoi la unique business value proposition que vous faites par rapport à un concurrent lambda. Et moi, je dis, la concurrence, c'est healthy. Il faut avoir de la concurrence parce que ça nous challenge au niveau des prix, ça nous challenge auprès des features, la partie technique de notre capacité du produit, etc., etc. Donc, cette slide pour moi, la partie competitive landscape, jusqu'à présent, on la voit toujours, elle est assez weak. De temps en temps, on est un peu agréablement surpris que la personne a fait un super travail là-dessus. Et le business model, ça aussi, c'est un long, long sujet. À la fin de la journée, ce que j'écris ici, c'est vraiment pour comprendre qu'on a l'idée, on a tout ce qu'il faut, mais à la fin, how are you going to monetize it? How are you going to monetize it? Et je vous ai donné un exemple, je crois que c'est ma dernière slide, Jean-Louis. Je suis dans top dans les 30 minutes. Next. Je vous ai donné un truc exhaustif. Au lieu d'aller et créer sa propre business model, j'ai challengé beaucoup de startups de dire, hey, il y a de l'existant, ça peut s'appliquer à toi. Et là, je vous donne 9 exemples, que ce soit becoming a middleman, que ce soit devenir une marketplace, que ce soit la subscription model. Je vous donne des mobile pay parce que je viens des télécoms. Netflix, typiquement, il y a aussi ViewPay qui est basé en Angleterre, qui veut attaquer Netflix sur le même marché. La partie Customize Everything, il y a un marché extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est Nike qui fabriquait des choses, qui a eu l'idée. Ils ont compris que dans leur profil de client, il y avait à peu près 25% qui étaient prêts à payer beaucoup plus le produit. Donc, c'était une opportunité extraordinaire pour vous. Et je vous donne des exemples, Café Press, Luminosité. Vous pouvez regarder leur site web lorsque vous aurez la présentation et vous allez voir qu'il y a de très bons exemples ici. On-demand model, les Uber, les Handy, c'est le côté on the spot, on the fly. Tu as une app et je veux vraiment un truc à la demande. J'ai une voiture à la demande. J'ai besoin Handy, ils font, j'ai besoin d'une perceuse ou j'ai besoin d'un outil. C'est instantanément, il faut absolument que je le voie. La partie direct sales model, je ne sais pas si vous vous rappelez les Avon, c'est surtout pour les bonnes femmes et tout ce qui est cosmétique, machin à la maison, la femme qui fait un genre de partie autour d'un café. Et il y a pas mal d'opportunités dans ce genre de business à tous les niveaux, que ce soit la mode, que ce soit autre chose. Le premier model, ma startup qui s'appelle Fabio, qui est basée à Lausanne, elle vient de la Polytechnique de Lausanne. Ils font un algorithme sur le langage sémantique pour avoir des news pertinents sur de la business intelligence. On a fait tous les modèles upside down, on s'est gouré, on s'est trempé. Et je dis, c'est pas grave, mais on a fait un pivot. Et le pivot, c'est quoi? C'est une newsletter sur un sujet particulier, gratuit, freemium. Et à un moment, on a un pourcentage de l'audience qui devient un peu professionnel et qui a besoin de plus d'informations en tant que newsletter labellisé. Et c'est comme ça qu'on commence à gagner de l'argent avec eux. Le reverse auction,
Et à la fin, c'est Virtual Good Model. J'aime bien le Virtual Good Model, c'est Candy Crush qui a commencé, où tout le monde, à travers le monde entier, pour se déstresser, a commencé à jouer. Et tout d'un coup, c'est un genre de model hybride entre la partie, comment on appelle ça, freemium, et le côté, je m'éclate, je me déstresse, c'est gratuit. Et à un moment, ils ont commencé à dire, pour 2 dollars, vous pouvez acheter des crédits pour aller un peu plus loin dans le jeu. Et j'ai trouvé que ce modèle aussi peut... Par contre, rien ne vous arrête en Tunisie de créer ce qu'on appelle un modèle disruptif propre à la Tunisie. Parce que ce modèle disruptif peut être copié ou peut être émulé ou peut être utilisé pour toute l'Afrique, par exemple, ou pour le reste du monde. Donc, il ne faut pas non plus regarder ça comme si c'était la référence. Je suis en train de vous expliquer, l'innovation peut aussi arriver dans le business model, créer un business model complètement à l'avance des autres. Next slide. Je crois que ça y est, j'ai fait le tour. Tu as vu? Je regarde, Jean-Louis, j'ai fait exactement 34 minutes. Je t'ai chopé 4 minutes. Et je te les donne bien volontiers, mon cher Marcel, parce que ce Merci. Que tu as partagé avec toute l'audience, c'est absolument essentiel. Tu es passionné et je pense que c'est cette passion qui nous anime, hein, je me permets de le dire également. Il faut, lorsqu'on travaille avec ces startups qui, elles aussi, sont passionnées, mais sont en général trop tournées vers leur innovation, pensant que ça va se vendre tout seul, les éléments qui sont les éléments que tu as partagés, c'est au cœur. Et c'est effectivement aux SSO, aux accélérateurs, à tout le monde, de les aider à bien comprendre ça, que ça ne va pas se vendre tout seul, que le business model est important, qu'il faut faire des pivots. Je vais poursuivre avec d'autres éléments qui sont tout aussi importants, surtout la manière de les aborder. Ce premier élément, c'est l'équipe. On entend très souvent dire, à juste titre, que l'équipe est primordial lorsque l'on regarde une start-up. Maintenant, c'est comment vous allez, vous, les SSO, analyser cette équipe. Là, je prends, vous voyez, le nom d'une école dans laquelle j'enseigne l'entrepreneuriat, Schema. Je viens juste de terminer la semaine dernière ce cours. Là, je vais vous juste, en 2 slides, essayer de vous expliquer qu'on s'appuie sur des études qui ont été faites aux États-Unis et en France, et Harvard et l'INSEAD, peu importe, des grandes écoles qui se sont penchées sur: faut-il créer tout seul? Faut-il créer avec des partenaires? Si on est 2, si on est 3, faut-il créer en partageant le capital à part égale? Si on a besoin d'autres ressources, comment fait-on? Toutes ces questions ne sont pas évidentes. Et c'est à vous d'accompagner les startups et de comprendre comment les startups se sont construites quand elles arrivent. Et ça, c'est une des questions essentielles que je pose toujours au tout début. Vous allez me dire, vous êtes une équipe. Est-ce que vous avez créé tout seul? Très bien. Si vous créez tout seul, comme vous voyez sur mon slide, vous avez besoin de vous entourer. Vous n'allez pas monter un business tout seul. Il y a de très, très rares exceptions et on ne parle pas vraiment de business. Donc, vous allez devoir embaucher. Est-ce que vous avez les moyens d'embaucher? Comment vous allez attirer des investisseurs qui vont devenir des partenaires? Comme Marcel l'a souligné, le réseau, le network, c'est essentiel. Un jour, vous allez devoir aussi grossir, passer votre poste opérationnel, etc. En général, j'ai observé que depuis 15 ans que je fais de l'investissement, on est beaucoup plus dans la case centrale. La case centrale, c'est que vous voyez 2, 3, 4, 5 personnes se regrouper pour créer une start-up. Ça peut être très bien, mais attention aux pièges. Quelles sont les relations? Est-ce que les rôles sont bien distribués? Est-ce qu'il représente quelque chose? Comment chacun va être rétribué? Pourquoi tout ça, c'est essentiel? C'est essentiel parce que c'est ce qui permet de construire le capital de la société. Et quand on est SSO, quand on est investisseur, on ne met pas juste un ticket de temps. Hein, c'est la partie financière qui est tout en bas sur ce slide. On va investir sur une équipe humaine. Cette équipe humaine au sens large, c'est ce que je viens de décrire. Donc, on veut comprendre comment tout l'équipe actuelle s'articule et puis surtout les accompagner lorsqu'ils vont grandir. Et on investit aussi sur ce que j'appelle ici le social capital, qui est probablement le plus important, qui est l'ensemble de l'écosystème dont la start-up aura besoin. Vous, les SSO, les accélérateurs, vous faites partie de ce capital. Une start-up avec ou sans vous ne fera pas du tout la même chose.
Est-ce que c'est le bon réseau? Est-ce que tout ça, ça a été prévu? Donc là, tout ça, c'est un des premiers volets sur lequel je vous fais juste un petit teaser, qui est quelque chose qui est essentiel et sur lequel il y a au moins une demi-journée de travail pour comprendre comment interroger, comment aller dans les détails. Mais c'est le point qui est le premier point, un de mes premiers piliers, que je rajoute à ceux partagés évidemment par Marcel, hein, donc qui est le pilier équipe, mais équipe au sens très large. Le deuxième point, tout aussi essentiel, mais très rarement bien préparé par les startups, ce n'est pas un reproche que je leur fais, ils ont énormément besoin d'être accompagnés sur la partie finance. Avec mon collègue et ami Marcel, on écoute, on participe à des jurys de pitch, quelques dizaines, quelques centaines par an, voire même plus. On a une grille de notation, c'est quelque chose que l'on pourra vous partager, qui a été définie par notre club, où tous les deux, Marcel a été dernièrement président, j'ai été également président. Et dans cette grille, on note les différents points. Il y a deux points sur la finance. L'observation, elle est la même depuis 15 ans. Les points qui sont les points sur lesquels il y a le plus de travail et d'accompagnement à faire, c'est très généralement sur la partie finance. Encore une fois, ce n'est pas pour blâmer qui que ce soit, c'est pour savoir qu'est-ce qu'il va falloir améliorer, travailler, aider les startups pour qu'elles se développent vraiment. Sur ce cours qui est ce cours de Financing New Venture, donc on parle vraiment de finance appliquée aux startups, il y a tout un certain nombre d'éléments qu'il faut qu'ils soient bien compris. Le tout premier pour moi, il est tout simple. C'est déjà qu'il n'y ait pas de confusion dans l'esprit de la startup entre ce qu'on va appeler la comptabilité et ce qu'on va appeler la finance. La comptabilité, c'est l'historique. Un comptable, il enregistre l'historique. Et en général, la startup a peu d'historique. Donc, c'est le premier point dans les key financial statements de comprendre comment le comptable va faire son travail. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la partie qui est la partie forecast, que vous voyez en bas de mon slide, et surtout la partie droite, les aider à construire un financial model. Je pense que tout le monde comprend, et Marcel l'a extrêmement bien décrit, l'importance d'un business model. Pour moi, à mes yeux et d'expérience, construire un financial model tout aussi solide, c'est tout aussi important sur le long terme. Très peu de startups arrivent, même en sachant ce que c'est. Et c'est là où votre expérience, votre accompagnement, il va être primordial. Le dernier point, qu'est-ce que c'est? Comment on le met en place? Comment on va pouvoir construire sur un plan qui doit être un plan long terme, qui va être révisé, un plan à 5 ans, le budgeting, le forecasting, l'allocation du budget, la croissance organique ou pas. Préparer, mais ce n'est pas que ça, ce n'est qu'un bullet point, préparer l'investissement, que ce soit de l'investissement en capital, en dette. Et la dernière partie, qui est une partie essentielle, savoir évaluer, valoriser sa start-up. Il ne s'agit pas de dire je vais aller lever de l'argent et je lève de l'argent, j'arrive, ma start-up vaut 1 million, 2 millions, 5 millions. Et quand on pose la question en général à toutes ces start-up, d'où est-ce que ça vient? Il y a très peu de réponses crédibles. Il faut les accompagner pour construire, et ça c'est une partie aussi des workshops que l'on anime. Comment on se prépare à une levée de fonds? Quelle est la valorisation que je vais pouvoir défendre? Quels vont être les différents types de fonds auxquels je vais avoir accès? Chaque pays va être spécifique. La Tunisie a des ressources que n'aura pas un autre pays, et inversement. Quelle est la bonne stratégie pour moi? Et enfin, tout ça, ça doit se résumer dans ce qu'on appelle le term sheet, qui va permettre d'aller trouver des investisseurs pour leur présenter un plan qui soit un plan construit avec un financial model qui tienne la route, tout comme on a construit le business model. Donc, pour résumer ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, hein,
Et ça, c'est un des slides qui est le dernier slide d'un cours qui fait, quand, dans sa version courte, il fait une demi-journée. Quand je l'enseigne en executive MBA à l'EDEC, hein, qui est une des business schools que certains doivent connaître en France, c'est un cours de 3 jours pour couvrir tout ça, juste pour que vous compreniez. C'est comment valoriser qu'est-ce que vaut vraiment mon business et ce que j'ai aujourd'hui. C'est comprendre qu'il y a 3 grandes catégories et il faut les faire les 3 systématiquement. La première, elle est toute simple, on l'entend très souvent, mais il faut l'avoir en tête. Ça m'a coûté combien ? Alors attention, ça ne m'a pas coûté combien pour une start-up uniquement en monnaie, ça m'a coûté combien en temps ? Ça fait 6 mois que je travaille à plein temps sur ce projet ou ça fait 5 ans que je développe ça à mi-temps. Donc, ce temps qui est du temps investi, il doit être valorisé tout comme l'argent qui a pu être mis au début. Si je devais le refaire, replacement cost, c'est ça la vraie valeur, combien ça coûterait aujourd'hui, même à un grand groupe qui voudrait faire la même chose que moi. Est-ce qu'ils en seraient capables ou pas ? Donc, c'est une première approche qui permet de mieux comprendre ce que vaut la startup et de les aider à comprendre ça. La deuxième, elle est au milieu, elle n'est pas au milieu par hasard, c'est l'approche marché. Si je vais sur le marché, si je regarde des sociétés qui sont des sociétés comparables, même si j'estime que ma compétition, elle n'est pas directe parce que je suis unique, parce que j'ai fait aussi, mon ami Marcel l'a mentionné, le Blue Ocean Strategy Workshop, qui cherche à bien positionner une innovation sur le marché, si vous avez un marché, il y a de la compétition. La startup qui me dit « je n'ai pas de compétition », moi, je réponds « c'est bien dommage parce que vous n'avez pas de marché ». Et bien sûr, on développe derrière. Donc là, le point de comparaison, il y a toujours un point de comparaison sur le marché. Et si vous avez bien suivi, et la startup a bien suivi tout ce que Marcel développe en go-to-market stratégie, c'est une partie de cette valorisation. Et puis, le dernier, il est financier. Ça s'appelle du discounted cash flow. Je ne rentrerai pas là dans les détails, mais c'est important de savoir comment un business angels avec un regard un peu plus financier, comment surtout des venture capitalistes, des investisseurs professionnels vont faire pour évaluer financièrement. Donc, pour synthétiser, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec cette méthode, le principe est simple. Il ne faut pas se laisser impressionner par les équations derrière. C'est de se dire, ma startup, elle a pas encore vendue ou elle va juste commencer à vendre. Combien va-t-elle générer de cash flow et de bénéfices dans les 5 ans ? Et je ramène ces bénéfices au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est le discounted du cash flow qui va être généré pour dire financièrement, voilà combien ça vaut. La manière d'évaluer, ça va être une combinaison de tout ça. Vous comprendrez facilement qu'une start-up qui va arriver devant des investisseurs que vous aurez préparés et qui saura répondre à toutes ces questions, qui sera au courant de ces différentes méthodes, sera en bien meilleure position vis-à-vis d'investisseurs potentiels et vis-à-vis de son marché, beaucoup plus solide que si, je ne sais pas, je pense que ça vaut 2 millions. Pourquoi ? Bon, parce que dans la Silicon Valley, elles valent toutes 10 millions. Donc, moi, donc voilà. Donc, vous voyez, je plaisante bien sûr, où je veux en venir. Donc, votre rôle, et pour moi c'est vraiment essentiel de SSO, c'est savoir accompagner, voire transmettre au travers de workshops ou d'autres choses, ce qui va leur permettre de faire la bonne augmentation de capital, excusez-moi, je vois les termes anglais, mais sachant que parfois on le fait en anglais comme en français avec mon ami Marcel, et que cette la valorisation d'une start-up, en fait, c'est tout simple. C'est une négociation qui va s'engager avec des partenaires, que ces partenaires soient des investisseurs, que ces partenaires soient des sociétés qui vont accompagner la start-up. Et ensuite, comme je le mets en bas, la partie fundraising, la partie vraiment augmentation de capital, et je suis sûr que parmi l'audience, vous avez déjà pas mal d'expérience, ce ne sont que des maths. Il faut juste les comprendre et bien les connaître. Donc ça, c'est une des parties qui est une partie essentielle pour moi. Et pour rester dans le timing, je vais partager assez rapidement
ce qui est l'objet aussi d'un workshop d'une journée, d'une méthode que j'emploie depuis 10 ans, sur laquelle j'ai basé ma propre société de consultants autour de ça, autour du Blue Ocean Strategy et autour de 10 questions. Vous allez voir, les questions sont simples et il faut qu'elles soient simples. Mais ce sont les réponses, l'interaction avec les startups qui vont faire toute la différence. Mon expérience de plus de 10 ans, de ces savoir écouter les réponses des startups à ces 10 questions, vont permettre de faire, et ça c'est mon petit tag si vous voulez, slogan, Innovation in Action, de mettre en mouvement l'innovation des startups que vous accompagnez. Le but, il est là. Le but, c'est vraiment de prendre une startup où très généralement, en early stage, ils ont plus un esprit d'innovateur, voire d'invention. Je pourrais revenir sur la différence entre ces deux points. Pour les amener, comme on l'a très bien vu, et vous voyez qu'il y a des éléments couverts par Marcel et des éléments que je couvre, avec des marchés bien spécifiques, avec des business models bien spécifiques, avec une partie financial modeling bien spécifique, à avoir des revenus. Donc ça, c'est une première partie. J'ai une deuxième partie que je n'ai pas le temps de vous détailler ici, qui font l'objet d'un chemin qui est bien jalonné. Ce n'est pas pour ça qu'il est facile, sur lequel il faut accompagner les startups. Juste, et vous m'excuserez d'être très rapide sur cette partie-là, mais en 5 minutes, j'ai fait exprès de garder le temps sur ces 10 questions essentielles qui est vraiment, moi, ma bible pour évaluer une start-up. Que j'ai 10 minutes ou que j'ai 2 heures à passer avec elle, bien sûr, en 2 heures, on aura plus d'informations, mais les points sont essentiels. Tout d'abord, essayez de bien comprendre, d'avoir la start-up qui articule quel produit, quel service est proposé. Pas juste j'ai inventé ci, j'ai inventé ça, etc. Non, non, non. Ça va servir à quoi? C'est pour qui? Décrivez-le comme si vous alliez me le vendre. Pas comme sur « je suis le super inventeur qui est… » Non, non. Donc là, il y a déjà un bon travail, une demi-heure parfois à faire avec la start-up sur ce point-là. Là, on revient au cœur de métier et de l'expérience de mon ami Marcel. C'est quels sont les marchés cibles, mais vraiment les marchés cibles. Quelles sont les tendances de ce marché? Ne sortez pas, comme nous l'a très bien dit Marcel, il y a tel TAM de X milliards de dollars ou d'euros, et puis je vais en prendre 1%. Alors ça, quand on me dit ça, c'est tout de suite niette. 1% d'un très gros marché, ça ne veut rien dire et ça n'a, à mes yeux, jamais marché. Donc, on creuse, on devient spécifique, on comprend s'il faut aller se repositionner, et la plupart du temps, ces startups ont besoin d'aller se repositionner sur leur marché. La question qui est probablement une des questions les plus clés. Mais pourquoi les clients ont besoin de vous? Ont besoin. Est-ce qu'ils peuvent vivre sans ça? Quel problème vous allez vraiment résoudre? Parce que on a rencontré, que ce soit Marcel et moi, et avec notre entourage d'investisseurs, tellement de startups qui pensaient avoir inventé quelque chose de génial, c'est sûrement génial, et que les gens allaient se précipiter pour l'acheter juste parce que c'était génial. Non. Les clients vont monétiser, vont mettre de l'argent s'il y a une réponse à un de leurs besoins. Il y a des méthodes pour faire ça. Ça a été lorsque je vous ai dit en introduction, j'ai travaillé 17 ans pour une société américaine de la Silicon Valley. Une grande partie de mon job avec mon équipe, c'était aussi dans les télécoms principalement, d'aller interroger de par le monde, en Europe, au Japon, ça c'était les territoires que je m'étais réservé, les clients, comprendre. Et donc là, il y a énormément à faire aussi au niveau des startups. Et puis, on continue d'affiner. On continue d'affiner en se demandant, est-ce que ce produit, ça répond, est-ce que c'est une menace ou une opportunité? C'est deux choses complètement différentes sur lesquelles
il faut bien comprendre, est-ce qu'on va se substituer à quelque chose d'existant? Est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau? Une voiture électrique. Une voiture électrique, avant tout, elle vient se substituer aux voitures qui sont les voitures thermiques. Seulement aujourd'hui, elles sont plus chères. Et en fait, on s'aperçoit que si Tesla a enfin réussi, c'est un des cas que j'utilise souvent dans les business schools quand j'enseigne, parce que la partie financière est aussi très intéressante, ben, on n'achète pas au début du cycle de vie une voiture électrique uniquement parce que ça remplace une voiture thermique. Donc, il faut comprendre tout ça. Et il faut pousser la start-up. Certaines ont fait le travail, d'autres pas. Comment l'entreprise va gagner? Quel est le plan? Quelle est la stratégie derrière tout ça? Donc ça, c'est une question toute simple. Comme je l'ai dit, les questions sont simples. Les réponses demandent à être travaillées en profondeur et bien comprises. Et la capacité aux startups à répondre et à articuler, voire on les voit continuer de réfléchir, quelles sont les applications, les usages, les fonctions spécifiques, à quoi ça peut servir, à qui ça peut être vendu, comment ce produit va se positionner dans l'offre globale de l'entreprise, son modèle économique, qui est le business model. Encore une fois, Marcel l'a souligné, même une petite entreprise, une petite start-up, a plus qu'un produit ou service à vendre. C'est la première chose que je fais quand je rentre en accompagnement de start-up, souvent après un investissement. Tout ça, il faut aller détailler tout ça. Comment ça va s'inscrire? Quels sont les canaux de vente, etc. Vous voyez qu'on revient très souvent à cette partie go-to-market que Marcel a détaillée. Quelle est la vraie taille du marché ciblé? Donc, rappelez-vous, on ne me sort pas 1% d'un marché de 100 milliards. Ça n'a jamais marché et ce n'est pas vrai. Ça n'est pas concret. Il faut quelque chose qui soit étayé, quelque chose qui soit étudié. Et enfin, ce que beaucoup oublient et qui est peut-être le dernier point, et ce n'est pas par hasard que c'est la dernière question, quels sont les risques potentiels? Ne me dites pas que votre start-up, elle est merveilleuse. Oui, bien sûr, elle est merveilleuse. Mais votre rôle de SSO, c'est vraiment de pousser l'analyse de ce risque. Il y aura des choses qui ne vont pas marcher. Il y aura des pivots. Il y aura des changements. Il y aura le marché va évoluer, etc., etc. Bien connaître les risques, c'est savoir y répondre à 50%. On ne sait pas tous les adresser, ça n'existe pas, il n'y a pas de baguette magique. Mais la start-up, entre la start-up qui a analysé ses risques, ou que vous aidez à analyser les risques, qui sait vous répondre, et la start-up qui vous regarde avec des grands yeux en disant bah, les risques, bah non, 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 moi j'ai une super innovation, tout le monde va venir l'acheter. Vous avez un travail qui n'est pas du tout le même à faire. C'est une question de maturité de start-up. Donc, j'en arrive à mon dernier slide, hein, puisqu'on s'est promis avec Marcel de vous laisser la parole une demi-heure. Et c'est essentiel pour nous de pouvoir répondre à vos questions. Hein. Il faut globalement, pour accompagner une start-up, comprendre sa stratégie et mettre au cœur son produit, son service. Mais tout ça, ça va s'articuler autour du pôle innovation. Ça va s'articuler autour du pôle client et marché et toutes les opportunités. Je vais terminer par une petite quote également d'Eric Ries, qui a écrit beaucoup de livres aux États-Unis et qui m'ont, comme beaucoup d'ailleurs, qui m'ont beaucoup inspiré. Hein? La start-up, est-ce qu'elle a vraiment compris ce que le client veut vraiment, pas ce qu'elle pense que le client veut. Et ça, c'est essentiel. Une fois que la start-up que vous accompagnez comprend ça, il y a de grandes chances qu'on l'appelle plus start-up et qu'elle devienne une TPE ou une PME. Voilà, je m'arrête là pour garder cette demi-heure si précieuse pour, à nos yeux, avec Marcel, pour pouvoir répondre tous les deux aux questions de l'auditoire. Merci beaucoup Jean-Louis, merci beaucoup Marcel pour cette belle présentation avec des vraiment tips hands-on. C'est vraiment des choses pratiques, c'est pas de la théorie, c'est vraiment hands-on et personnellement j'ai adoré.
On lance aussi un survey en parlant là pour notre audience aussi. On aimerait bien avoir votre feedback. Donc, n'hésitez pas. Vous avez sur votre plateforme une partie qui s'appelle activité. Vous cliquez dessus, vous allez avoir une question où vous pouvez partager avec nous votre feedback. Donc, merci beaucoup à vous deux. Donc, on a condensé en parallèle quelques questions pour vous. Elles sont nombreuses. On a fait de notre mieux de les rendre un peu, let's say, très targeted to our subject for today. Donc, la première question, elle m'a fait franchement rire. Donc, je vous la pose. Comment détecter un entrepreneur qui fait du bullshit? Comment le détecter dans un entretien? Ça, vraiment, c'est... Donc, voilà, the floor is yours. Go ahead. Alors, je vais... Marcel, tu n'as pas le temps que tu mettes ton micro. Je vais juste, je vais juste. Je disais, je te laissais la grâce. C'est ah bon, alors je répète, voilà. Je te laissais la grâce. Au revoir. Alors, au risque peut-être de décevoir dans ma réponse, toutes nos réponses, que ce soit Marcel ou moi, sont basées sur notre expérience. Il y a, en général, si vous voulez, un sentiment. Où très vite, on va comprendre dans ses réponses aux questions. J'ai un peu envie de revenir, voilà. Poser des questions qui sont un peu toujours les mêmes permet assez vite de détecter la personne, l'entrepreneur qu'il y a en face. Est-ce que c'est, tout ça, c'est vrai, c'est étayé? Parce qu'on ne peut pas aller tout vérifier ou pas. Maintenant, je vais vous dire humblement, il y a 5 ans, avec 2 autres investisseurs, j'ai investi donc au travers de notre club SBA, dans une société où on s'est trompé, on s'est complètement trompé sur l'entrepreneur qui, effectivement, nous a complètement baladé. Alors, c'est une sur une 20aine d'investissements. Et il faut savoir que ça a été très loin puisqu'on est, on est en justice aujourd'hui avec cet entrepreneur. Donc, c'est quelque chose à prendre très au sérieux. Mais je n'ai pas de recette magique puisque j'avoue humblement qu'il y a 5 ans, on s'était trompé. Marcel. Moi, je vais compléter par rapport à Jean-Louis. Mais j'adore la question, hein, le côté bullshit, j'adore, parce qu'on les rencontre tout le temps. Rassurer la personne qui l'a posé. Moi, à titre personnel, pour compléter Jean-Louis, avec le temps, surtout parce que je suis commercial, 30 ans, je rencontre le client. Le client, des fois, il est content, des fois, il est énervé, des fois, quel que soit X, la boîte, elle va mal. Donc, j'ai appris avec le temps, on appelle la science du body language. Le body language, pour moi, est très, très, très important. Est-ce qu'il y a un élément de trust qui se dégage? Est-ce qu'il y a un élément de passion qui se dégage? Est-ce que la personne n'est pas en train de chercher comment terminer sa phrase? Il y a plein de trucs comme ça que j'utilise. Mais un truc qui ne trompe pas pour moi, et des fois je les surprends, je pose la question, qui est votre mentor? Avec qui vous avez travaillé? J'essaie d'aller fouiner un tout petit peu dans son passage dans l'industrie, dans le marché, et j'appelle les personnes physiquement. Je n'ai jamais hésité à appeler des personnes. Et pour répondre à ça finalement, un bullshitter, il y a une forte chance qu'il a bullshité d'autres personnes et ça se sait très vite. Donc voilà un peu ma réponse. Parfait, merci les amis pour votre partage. Donc on a Fedi qui nous pose cette question. Comment dénicher le potentiel d'un entrepreneur qui est sans expérience et très jeune? Si je peux me permettre, Jean-Louis. Je t'en prie. Je nommerai pas de nom. Il y a un super exemple d'un couple tunisien qui sont très, 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 très jeunes. Et en plus, pour la difficulté, ils sont en couple. Mais c'est des geeks et ils ont une idée extraordinaire. Ils se sont mis ensemble et aujourd'hui, ils sont incubés dans un incubateur au-delà de la Tunisie, en Estonie, parce qu'ils sont un tout petit peu en mode, je dirais pas scale-up au niveau revenu, mais ils ont eu de la chance de nous rencontrer, hein. On va faire un tout petit peu de réseautage là-dessus. Moi et Jean-Louis, on a eu la chance de les mentorer pendant 3 jours en Tunisie et puis on les a invités à venir pitcher, un tout petit peu se mesurer
à des startups irlandaises. Il y avait deux startups irlandaises, cybersécurité. Il y avait deux ou trois, je crois, danoises, autrichiennes, deux de Sophia Antipolis, une parisienne. Et ils sont venus et ils ont gagné ce qu'on appelle notre International Venture Academy. On donne en général trois prix. Et le premier prix, c'était « The most ready for finance ». Donc, ça vous dit, je dis « ra, 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 viva Tunisia ». Et la chose qui était extraordinaire, c'est leur maturité. C'est le jeune âge, c'est une chose, mais on les a complètement déstabilisés, on les a challengés et ils sont restés eux-mêmes solides, plein de confiance et de self-awareness. Et aujourd'hui, je les ai aidés avec l'incubateur qui est en Estonie et on est en train de travailler avec une société à Shanghai qui fabrique un certain produit parce qu'on les a convaincus, ce n'est pas un fabricant, mais qu'ils gardent leur technologie et du IP au niveau intelligence artificielle. Et ça se passe très, très bien pour eux. Donc, pour moi, un jeune, je vous parle de moi en tant que business angel, je laisserai Jean-Louis parler dans son expérience. On ne juge pas, on n'est pas dans le jugement parce qu'il n'a pas d'expérience, qu'il n'a pas. Un entrepreneur en général, franchement, s'il a sa storytelling qui tient la route et on va un tout petit peu le challenger, on ne juge pas sur l'âge. Je ne dis pas que d'autres business angels ne jugent pas, mais nous, dans notre club Sophia Business Angel, on a eu pas mal de jeunes. Je ne sais pas si tu te rappelles, Jean-Louis, le jeune allemand qui est venu parler de la musique et de son algorithme, comment apprendre la musique avec de l'algorithme à intelligence artificielle. Donc voilà, je te laisse compléter, Jean-Louis, mais pour moi, je fais abstraction à ça. Alors, juste très court, hein, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions. Dénicher le potentiel d'un jeune entrepreneur ou moins jeune, on est en phase, bien sûr, avec Marcel. Il faut le confronter avec d'autres. C'est pour ça que l'on fait énormément de pitch contest, on a notre Venture Academy, etc. Je vais faire très simple là. C'est comme si vous me demandez, est-ce que ce jeune qui prétend être très bon aux échecs, il est vraiment bon aux échecs ou pas? Bah, quel que soit son âge, on le fait jouer, on le fait participer et on voit tout de suite ce qu'il en ressort. Exactement la même chose avec un jeune entrepreneur. Et on peut commencer très jeune, regarder les grands, très grands, les Bill Gates, les Steve Jobs, à quel âge ils ont commencé. Super, franchement, c'est des réponses pertinentes. Je vais aussi partager le feedback au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas seulement vous bombarder par les questions. Donc, vous êtes apparemment connus en Tunisie. On a Mouné Slim qui nous envoie un message qui nous dit « C'est toujours un plaisir de retrouver Marcel et Jean-Louis. Je n'ai pas réussi à tout voir, mais je vais 100% absolument réécouter le replay. » On a aussi… Kiwi Software, c'est une startup qui nous dit merci pour la présentation. C'est vraiment très, très intéressant, pas seulement pour les SSO, mais pour les startups. On a Mahdi Zabal de Ideal Conceptions qui nous dit merci beaucoup, c'est très enrichissant, bien cordialement. Après cette petite pause de feedback, je reprends avec ma question. Comme ça, je vous motive, je vous I keep you à l'heure. Donc, notre prochaine question, les amis, de la part de Amal, elle nous dit comment aider nos startups à travailler leur competitive landscape. L'honneur est à Jean-Louis. Vas-y. Moi, je ne parlais que de mon expérience. Et Jean-Louis, vas-y. Alors, je vais donner un élément et je te passerai la main sur la… la partie competitive landscape, moi, il y a un outil que j'adore pour l'utiliser depuis 20 ans, qui est ce Blue Ocean Strategy. Donc, ce Blue Ocean Strategy consiste en deux mots, aller se positionner sur le marché dans un océan bleu, là où il y a très peu de compétition, là où on a une vraie valeur ajoutée avec ses clients, par rapport à se jeter à l'eau au milieu de la compétition, où ce sont que des requins qui s'entretuent, qui vont donc rougir de sang l'océan. Voilà, c'est, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est ça l'esprit. Donc, premier élément de compétition, mais je laisserai Marcel aller plus loin et compléter. Et ça, c'est quelque chose que je pratique depuis 20 ans, et plus je le pratique et plus je vois qu'il y a énormément à faire avec chacune des startups.
qui demande un accompagnement. D'ailleurs, il n'y a pas une recette toute faite. C'est positionnement, compétition, tout ça, ça demande du brainstorming, de l'analyse et que l'innovation soit au meilleur endroit sur le meilleur marché. Je te laisse compléter, Marcel. Oui, moi, tout simplement, il y a monsieur le professeur Jean-Louis et il y a aussi le mec qui vend et qui, comme l'entrepreneur, qui est devant le client. Donc, j'ai rencontré… Vous complétez tellement bien. j'étais chez Ascent Communication en 1994. Cisco était toujours le nom numéro un au niveau routage avec des modems lorsqu'on a commencé à faire du dial-up. Et vous vous rappelez très bien, surtout ceux qui ont mon âge, hein, seniors et qui ont perdu leurs cheveux ou ils ont les cheveux gris, ils vont se rappeler de cette belle année 94-99. Et Cisco vendait des routeurs et il y avait plein de câbles qui connectaient des modems, mais des modems des milliers et des milliers et des milliers. Une petite société qui s'appelle Ascent Communication a compris l'enjeu du CAPEX et du OPEX chez les télécoms parce que au niveau technologie, au niveau comment on peut faire de la maintenance et comment on va servir le plan exponentiel d'utilisateurs sur Internet. Donc, il fallait vendre moins de boîtes, mais servir des milliers et des milliers, beaucoup plus que Cisco faisait. Ben, tout simplement, on a mis 500 chips, des chipsets Texas Instruments, hein, ça vient de ton industrie, mon cher ami Jean-Louis, on les a mis dans le même footprint qu'un routeur Cisco. Donc, il y avait le routage, il y avait la partie switching dedans, dans ma boîte, mais on a mis 500 modems, mais au lieu que ce soit des boîtes extérieures avec des câbles, ben, c'est devenu des chipsets à l'intérieur. À Sand, on n'a jamais vendu sur la technologie. On a juste dit, si vous allez très rapidement pour être un Internet Service Provider, eh ben, on avait le footprint. Moralité d'histoire, Cisco est passé de 0 en 4 ans à 1,7 milliard. Et on les a vendus à Lucent Technology en 1999 à 21 milliards de dollars. Vous pouvez suivre ça à l'histoire sur le… Et la dernière que j'ai faite, c'est Airspace, Wi-Fi. Cisco était dans le Wi-Fi, mais ils n'ont pas compris c'était quoi la problématique de l'industrie. Et la problématique de l'industrie, Wi-Fi 1.0, c'était des points d'accès dumb, non intelligents, et c'était très, très lourd à gérer et même à installer. Et Airspace a compris l'enjeu et on a inventé de l'IP, c'était du Lightweight Access Protocol, comment un access point peut être connecté physiquement et en un instantané, je peux éventuellement, un grand campus pour 1000 utilisateurs, je peux connecter du Wi-Fi en espace d'une demi-heure de config et toute l'entreprise est connectée en Wi-Fi. Et ça a été racheté par Cisco. On a fait 16 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2001 jusqu'en 2005. Et on a été racheté par Cisco en 2005 pour 1,2 milliards. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Cisco. Pourquoi je parle de ça? La concurrence à la fin de la journée, je ferme les oreilles si quelqu'un je dis « j'ai pas de concurrent ». Jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui n'a pas de concurrent. Et moi, je dis « la concurrence, it's healthy ». Il faut absolument qu'il y ait de la concurrence. Par contre, essayer de comprendre pourquoi on est différent de l'autre, c'est ça l'arme principale que je peux utiliser vis-à-vis de ma concurrence. Voilà un peu grosso modo pour compléter. Et si je peux me permettre juste une petite phrase que j'utilise assez souvent quand je travaille avec ces startups. La compétition, elle ne doit pas être subie, elle doit être choisie. Ça ne doit pas être subi, ça doit être choisi. Voilà, je laisse tout le monde réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. Mais derrière, ça résume ce que on vient de dire tous les deux avec Marcel. Appel à réflexion, voilà. Super. Alors, on a une question de Samy qui nous dit « Est-ce qu'il faut se focaliser plutôt sur des startups qui ont des marchés en Tunisie ou plutôt qui ont des marchés dans le monde entier ?» Très bonne question. Très bonne question parce que moi et Jean-Louis, on est venus chez, je crois que c'est, comment ça s'appelle ? Biat Labs, chez Factory 319 en Tunisie. Là, on a été séduits par la Tunisie. Au fait, c'est la côté créativité et le côté IP potentiel que je peux comparer avec l'Algérie où ils sont complètement en retard. Et le Maroc, je dirais, en deuxième position. Moi et Noaman, par exemple, on est en train de regarder comment on peut créer un business angel de la diaspora maghrébine pour aider justement l'internalisation des startups tunisiennes, marocaines et algériennes. Et là où c'est pertinent par rapport à cette question, je dis… Il faut toujours challenger l'entrepreneur. La Tunisie, c'est un marché. Oui, c'est un marché.
Mais bien sûr que ça a marché. Et Jean-Louis, il a dit, si vous voulez avoir une TPE ou une PME, why not? Pourquoi pas? Il y a un marché sur n'importe quoi, n'importe quoi. Technologique, être un vendeur, revendeur d'un produit importé et être distributeur. Mais ce que je dis par rapport au SSO, il faut absolument encourager la nouvelle donne qui est mondiale. Et on a, je crois que j'ai une étude que je peux envoyer à Soumeya pour partager sur la région MENA, où on dit que la région MENA, j'ai plus la Tunisie dedans, on est à peu près à 51% de la perception des Européens qu'on a des talents. Les talents, ils sont là. Il n'y a aucun souci pour ça. Mais là où on est un peu shy, on est un peu timide, on est un peu réservé, c'est de dire oui, la Tunisie, et puis après, je vais partir à côté, peut-être l'Algérie, et puis après le Maroc, puis l'Afrique. Moi, je dis, il faut les challenger. I am local and yet global. Et le meilleur exemple que Jean-Louis et moi ont connu, et que vous connaissez très bien, c'est un petit pays qui s'appelle Israël. Je ne sais pas si c'est pas le bon exemple dans ce contexte-là, mais moi, je vois ça à l'échelle mondiale, donc je partage avec vous. Ils ont commencé il y a 30 ans par la même problématique que les Tunisiens se pensent aujourd'hui. On est un petit pays, small total addressable market. Qu'est-ce qu'on va vendre? Peanuts. Et cette évidence, qu'est-ce qu'elle aura fait? Elle dit, OK, on garde les talents. Si vous regardez au niveau IP, ce qui se passe en Israël aujourd'hui, c'est extraordinaire. Par contre, why can't we go to the States? Pour les Tunisiens, les Marocains et les Algériens, je pense qu'on peut utiliser l'Europe comme un genre de tremplin pour l'international. Donc, les Israéliens ont décidé d'aller aux États-Unis pour marketing and sales. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que lorsqu'on fait du marketing and sales à l'étranger et qu'on fait un revenu extraordinaire, eh ben, ils disent qu'entre 30 à 40% du revenu revient au pays. Revient au pays. Et c'est comme ça qu'ils ont le côté sustainable pour que les talents ne subissent pas le brain drain et on a tous ces talents qui quittent le pays d'origine pour aller ailleurs. Donc moi, je vous donnerai le même conseil. Je dis, challenger les startups pour être local. Bien sûr, je vous ai parlé de la startup du couple tunisien jeune. Eh bien, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le marché tunisien? Ils ont validé leur MVP. Ils ont validé leur premier POC et pour comprendre qu'ils sont prêts peut-être à vendre la première vente à l'international. Donc, la Tunisie, c'est un peu un genre de tremplin pour valider le home, local market, mais il faut absolument, dès le début, il faut que ça soit global, à l'échelle mondiale. C'est ça, mon avis, à aider les SSO à vraiment, vraiment... Si c'est un petit marché, peut-être que les SSO doivent réfléchir un peu quelle est leur mission, en fait, dans le pays. C'est comment créer des emplois, comment garder le talent localement, et en même temps, faire une success story. Made in Tunisia. C'est comme ça que je le vois. Makes perfect sense. Jean-Louis, tu veux ajouter quelque chose? Allez, je vais ajouter deux points très rapides. Le premier point, on s'appuie beaucoup sur nos expériences, Marcel et moi. Là, cette année, donc je suis administrateur de la Fédération d'Angels en France, en charge des relations internationales. Et c'est la seule chose pratiquement que je fais pour eux, à part siéger au conseil d'administration. Et ce que l'on vient de lancer comme initiative, c'est une initiative des Business Angels francophones, où on a bien sûr, on va avoir la France, la Belgique, les Québécois, une partie des Suisses, mais un certain nombre de pays d'Afrique, dont la Tunisie. Et ceux qui sont les plus actifs comme Business Angels, groupe de Business Angels en Tunisie, alors bien sûr j'ai inclus Cartas Business Angels, mais c'est un nouveau groupe de femmes Business Angels qui s'appelle Doumia, qui ont une énergie qui est absolument extraordinaire. Et ça, c'est très important pour les startups d'être accompagnées par des Business Angels tunisiens ou tunisiennes, je devrais dire, en l'occurrence. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je voudrais juste comprendre et faire comprendre à tout le monde que pour moi, un pays comme la Tunisie va se tourner beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement vers l'international parce que vous avez ça ancré en vous et les entrepreneurs tunisiens ont ça et on le voit très vite. Alors que là, j'accompagne une start-up qui est une start-up française, des jeunes, ils sont quatre, ils ont entre 25 et 26 ans et
ça fait 3 mois que je leur dis, mais ouvrez-vous tout de suite au marché international. Les startups françaises, voire américaines, vont commencer à regarder, leur dire, oh, ben, quand dans 2 ans, 3 ans. Non, ce n'est pas la bonne attitude. Global, tout de suite, si le marché, bien sûr, est un marché global. Et ça, la Tunisie, aujourd'hui, j'en suis convaincu, les entrepreneurs tunisiens ont ça dans le sang et ont un avantage vis-à-vis d'autres entrepreneurs qu'on va trouver en Europe qui pensent qu'on va faire ça step by step. 100%. Ce que j'aime bien dans notre thématique avec vous, les amis, aujourd'hui, c'est que non seulement cette présentation est pertinente pour la SSO elle-même, mais même s'il y a des startups aujourd'hui qui sont présentes, c'est aussi des tips pour eux comment être attirant, que ce soit pour l'investisseur ou pour la SSO pour être pris. Donc, si vous êtes une startup qui nous écoute, think global from day one. Voilà. Donc, pour reprendre, on a encore quelques questions. Donc, next one is, ça c'est un start-upper qui nous pose la question, il s'appelle Fadi et il nous dit, quelles sont les régions propices selon vous deux au lancement d'une nouvelle technologie à adopter et il fait slash tester. Alors, moi je vais lui répondre, je n'ai pas de réponse globale cette fois-ci, il faudrait spécifiquement savoir de quelle technologie il parle. Et donc, tout donc, le travail, Fadi, d'ailleurs. Si tu nous écoutes, envoie-nous ta technologie, comme ça on peut raffiner. C'est ce que j'allais répondre parce que sa question, elle était assez générale, high level. Peut-être qu'il a quelque chose de pertinent et on serait ravis de lui répondre. Voilà, parce qu'il n'y a pas, et je pense que c'est un élément du coup, le temps qui met ce petit commentaire qui nous permettra peut-être de répondre. Tout le travail qui est à faire avec ces startups, tout ce que ces startups doivent comprendre, c'est que chacune d'elles, chaque entrepreneur est unique et qu'il n'y a pas une recette unique pour tous. Et c'est ça qui, pour nous, avec Marcel, fait tout l'intérêt de cet accompagnement et très probablement aussi pour les SSO. Donc, il faut arriver à avoir des éléments spécifiques pour savoir les orienter. Soumaya, on n'a pas le son. Donc, oui, story of my life, mute and mute. Donc, il nous dit, en fait, les early adapters de la health tech. OK. Moi, je peux répondre à ça parce que Jean-Louis et moi, on a déjà fini un programme dont a parlé Soumaya. C'est avec notre amie Nina Rautensen, c'est elle qui lead la ville de Jyväskylä. Pour nos amis tunisiens qui ne connaissent pas cette ville qui est à 400 km d'Helsinki, nous, on l'a découvert. Elle est connue mondialement pour les fans du rallye. Donc, c'est carrément le World Racing Rally. Donc, le maire a décidé, il y a 5 ans, de mettre cette ville au milieu de ce World Championship de rallye. Et en même temps, il a inventé un concept qui s'appelle le Business Rally. Et c'est comme ça que IBAN a sponsorisé ce genre d'événement où on part chaque année en Finlande pour faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier? C'est un incubateur de e-health et de well-being. Il y avait deux enjeux en Finlande pour un petit pays de 5 millions. Ils ont cartonné au niveau e-sports. E-sports, c'est vous regardez tous les top talents à l'échelle mondiale au niveau e-sports, vous allez trouver toujours des Finlandais. Et là, moi et Jean-Louis et Nathalie, on a fait un workshop de 3 jours en remote avec eux. Et je pense, si c'est pertinent pour le e-health dans ce contexte-là, je suis persuadé qu'il y a 2 endroits. Il y a PACA, et je laisse mon ami Jean-Louis parler de son ami qui est dans la biotech et dans tout ce qui est e-health. Je pense que le sud de la France, parce que Marseille, Nice, etc., sont ouverts vers la Méditerranée et il y a eu toujours une belle histoire avec l'Afrique au niveau cross-border business et cross-border investment. Sinon, je lui conseillerais aussi de regarder et on sera ravis, à travers toi, Soumaya, de faire des connexions et de réseaux, parce qu'on est là pour le réseau hein, à la fin de la journée, de lui faire un contact là-bas. Mais eux, ils sont spécialisés là-dedans. Voilà. Je dirais PACA et la partie Finlande, où eux, ils sont plutôt, je dirais, ouverts vers l'international, mais ils commencent beaucoup par l'Europe du Nord. L'Europe du Nord, c'est pour eux, c'est l'Allemagne, le Benelux, l'Angleterre, parce que l'anglais est tout à fait facile pour eux et c'est pas très loin. Ils ne veulent pas aller trop loin. Voilà un peu pourquoi j'ai dit, entre les deux,
Jean-Louis, je te laisse terminer cette envie de. Je pense que tu l'as très, très bien résumé. Donc, oui, sur la Finlande, et je vais juste rajouter sur la France, PACA, mais sur. En France, il existe près de 70 clubs de business angels. La plupart sont régionaux. Il y en a trois aujourd'hui qui sont verticaux. Un de ces trois-là, c'est Angel Santé. Et là, on sait qu'une start-up va trouver le bon réseau, va trouver des interlocuteurs. Donc, là, la France n'est pas le seul pays pour faire ça. Il y a la Finlande, il y en a quelques autres. Mais la manière de trouver la meilleure des régions, ça va être de regarder est-ce qu'il y a des investisseurs, comme en France, qui sont regroupés autour des problématiques de la santé. Amazing, amazing. Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question, comme ça on est respectful. Dernière. Une dernière. Well, we're having 2 minutes to go. I mean, on a vraiment essayé avec l'équipe que je remercie qui ont vraiment condensé les questions de manière à ce que on a l'essentiel par rapport à la thématique. Donc notre question pour vous aujourd'hui, la dernière, c'est une startup et on a Salma qui la pose. C'est un accélérateur. Donc elle dit je fais partie d'un accélérateur. C'est Salma. Merci beaucoup pour votre présentation. Quels sont les flags à éviter dans notre sourcing de startups et entrepreneurs? Ça peut permettre de résumer beaucoup de choses. Alors, vas-y Jean-Louis. Pour plusieurs questions. Vas-y Jean-Louis. Je vais me permettre de revenir de manière très succincte sur la manière dont Marcel et moi, on s'est préparé pour cette session. Je ne sais pas si tout le monde imagine, et toi, Soumaïa, le plus gros challenge qu'on a eu. Le plus gros challenge, ça a été chacun de tenir dans 30 minutes et de faire toute cette session en 1h30. Il y a tellement de choses. Maintenant, je vais renvoyer à cette question sur les points clés, qui est quelque chose que j'ai dit tout à l'heure et qu'on observe. Les points clés, c'est chercher le client, le bon marché, etc. Le bon business model, ça c'est tout ce que Marcel a développé, je le laisserai rajouter des choses. Mais tout à l'heure, j'ai fait une observation. Quand on entend des startups pitcher, elles se basent très souvent uniquement, elles parlent de leur innovation, de leur produit, que ça va révolutionner le monde. Or, une startup, elle a besoin d'autre chose. Elle a besoin de l'équipe. On n'a pas eu de question sur la partie équipe. Et surtout le financial modeling, qui n'est peut-être pas le premier point, mais qui va être la base qui va permettre à une société de grandir. Donc, ma réponse, ça va être juste de reprendre cet agenda qu'on a construit avec Marcel pour que ce soit justement ces points qui sont les points clés et ne pas oublier ceux sur lesquels on n'a pas eu de questions pour une raison ou pour une autre. Un beau résumé de cette belle présentation à vous deux. Marcel, je te laisse le dernier mot. juste, le fait qu'on a beaucoup d'expérience avec The Camp à Aix et puis Station F à Paris, mes amis de Cork, Cork Beak en Irlande, nos amis sud-africains, nos amis UAE à Dubaï. Donc on a beaucoup, tellement de feedback. Au fait, bottom line pour les SSO, pitching, storytelling, pitching, corriger, pitching. J'ai toujours encouragé, que ce soit le SSO ou l'entrepreneur, il est en mode pitching all the time. Surtout l'elevator pitch, on rentre dans un ascenseur, en une minute, on doit absolument expliquer qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment, le côté, ce que j'adore avec les SSO, c'est des gens passionnés, ils vont faire un programme extraordinaire de knowledge transfer, ils vont ramener des experts et à la fin de la journée, il y a ce qu'on appelle un deal flow qui est en train de se créer. Et ce qui est très bien, c'est là où le business angel arrive à la fin de leur programme et être membre du jury et puis écouter la belle histoire que le SSO a préparée. Donc voilà, moi je dis c'est le côté pitching tout le temps et s'améliorer. Voilà. Amazing. C'est... Merci beaucoup, c'était vraiment un délice et notre audience a été enchantée aussi de vous avoir. Je partagerai avec vous le feedback, mais on a pas mal des merci, des bisous pour vous.
de la chaleur et du remerciement, gratefulness de la Tunisie. Donc, vraiment, c'était très pertinent, je trouve. Donc, pour l'audience, je vous dis que cette session, elle va être accessible à toute personne qui voudrait lancer un accélérateur ou bien un incubateur qui voudrait se préparer pour cela. Donc, ça ne va pas être public, mais ça va être accès surtout à l'audience qui est présente aujourd'hui avec nous. Et pour toute personne qui voudrait avoir accès, on pourrait le faire pour elle. Donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires par rapport à d'autres thématiques que vous voudriez qu'on prenne en considération pour les futures sessions, n'hésitez pas. Donc, je vous remercie énormément, Marcel et Jean-Louis, et je vous donne le mot de fin. Dernière chose à dire à cet écosystème ambitieux. Viva Tunisia. Je suis persuadé que you guys are going to be very, very successful. You have talent. Think global. Please, 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 I beg of you, think global. And on behalf of Sophia Business Angel, of IBAN, of France Angel, me, Jean-Louis, Nathalie, I want to thank you, Soumya, for the great work that you've done so far and inviting us to meet your ecosystem. Thank you. The pleasure is ours. Thank you so much, Marcel. Jean-Louis. Oui, je vais étendre, bien sûr, les remerciements à tous, en commençant par toi, Soumya, toute l'équipe. C'est fantastique. Et pour moi, le dernier mot, ça va être que tout ça demande du travail. Là, dans 2 jours, je retourne au Maghreb. On se déplace énormément avec Marcel parce qu'il faut travailler avec les SSO, les startups. Et c'est qu'au travers de ce travail et du partage qui passe par l'importance du réseau. Et j'aimerais que ce soit le dernier mot qui résonne, que toutes ces startups vont pouvoir effectivement se développer. Excellent. J'ai rien à ajouter après ce que vous avez dit. C'était un délice. Thank you so much. On espère vous avoir parmi nous, inshallah, when things get better with COVID and everything going on. Donc, pour l'audience, merci beaucoup pour être avec nous encore une fois. Donc, à jeudi avec une nouvelle thématique. Et très bonne journée à tous. Au revoir. Bye bye.